Salut tout le monde. Alors on est sur le périph, on vient de sortir du périphérique parisien. La cavalerie, ça arrive toujours en retard. Et où la circulation a été bloquée, enfin ralentie pendant un moment. Et là on se dirige vers la place de la Porte Chantrey. Voilà, pour l'instant ce que je sais, il y a plusieurs choses qui vont s'organiser dans la journée. On parle de la place d'Italie, on parle essentiellement des Champs-Élysées qui sont bunkerisés depuis hier soir. Mais quand même, le lieu de rendez-vous forcément pour les 1 an, des gilets jaunes. Et puis au-delà de ça, hein, parce que le pouvoir s'y concentre. Voilà. Je ne sais pas si le son est bon, mais je pense que je mettrai des écouteurs ensuite avec un micro. Ouais, franchement, ça va. Là, je suis en train de dire, je vais faire d'ailleurs dès maintenant. Donc là, vu qu'on est loin des champs, on est tranquille plutôt. Les flics sont sur les côtés. Il y a du monde, effectivement. Bonjour Auréal. Donc ça lag un peu je crois parce que bon voilà c'est comme d'hab, il y a plein de gens qui sont en live sur leur téléphone portable. Ça gaze déjà? Eh bah ouais, voilà. Ils essayent dans... Alors il y a la BAC qui est là, on voit apparemment. Qui essaye de diviser les gens. En fait faut comprendre que de ce côté là, il y a un cortège déclaré qui doit passer par Clichy, aller jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et en fait, je crois qu'ils essayent d'empêcher l'agglomération de plusieurs foules. Ça va? Ah oui, oui. Ils essayent de quoi? Bah en fait, là, t'as un cortège déclaré qui est là-bas, et le nôtre, ils... Bah oui. Et ben, ils veulent, bah, je crois qu'ils veulent pas qu'on se... Bah voilà. Ils commencent déjà à casser. Et voilà, il faut pas qu'on s'agglomère, qu'on converge ensemble, je pense. Mais on va réussir. Oh putain, les gaz, ils arrivent. Ils veulent rien. Allez, on met les masques. Oh putain, non! Ils nous ont coupé en deux, les bâtards! Ouais, ils nous ont coupé en deux! Putain, mon masque, il est où? Venez-le! Putain, ça arrache. Voilà, on est équipé un petit peu. En tout cas, les gens sont déterminés à converger. Bon, j'ai pas de quoi protéger les yeux. Castaner en prison! C'est une bonne idée ça! Castaner en prison, ouais, carrément! Allez! Allez, on avance. Bon, c'est déjà...
Alors, on enlève le masque, c'est bon. Il tire dans les gens alors qu'il n'y a aucune... Il n'y a pas du tout, vous voyez, de, comme moi, il n'y a pas de raison, de, il n'y a pas de violence. Il n'y a absolument pas de violence. Et ils essaient juste d'empêcher les gens ici de rejoindre les gens là, des manifestants pacifiques. Ça tire absolument de tous les côtés. On attaque et ils chargent, les salauds. Regarde, masque. Viens, viens. Ah. Ils sèment le chaos, littéralement, vraiment. Et on est, les gars, très loin des Champs-Élysées. On est très loin des Champs-Élysées. Imagine même pas les champs, quoi. Et on ira. Si, il se passe quelque chose, on est là. Bah oui, attends, non, mais on fait rien, ils nous gazent et tout, là. Bah, parce qu'ils veulent pas qu'on s'agglomère, qu'on soit ensemble, en fait. C'est tout simplement ça. Allez, on en recule un peu. Putain, j'ai pas pris mon cerveau, fille. Ils vont nous défoncer. Oh là là. Pourquoi ils ont gazé? Bah, parce qu'on est ensemble, voilà. Merci. Il faut diviser les gens. Ah, oh, putain. Voilà, il faut fuir les gaz, faut aller par là. Vas-y. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est où Pierre? Putain, il est où Pierre? Hein? Ouais, mais sauf qu'on est, on est dispatché. Mais c'est ouf là, dès le début on est en banlieue limite et on se fait gazer la gueule. Attention. Voilà, forcément ça attise la colère, c'est évident. Bah ouais, il y a un groupe qui est parti par là et du coup on sait pas trop. Là, ils sont juste sur le côté, là. Mais les autres manifestants sont où? Bah, ils ont fait en sorte de nous diviser. Ouais, ça, on l'a vu, on, à chaque fois, c'est la même. Hein. Mais là, c'est, ouais, c'est dès le départ, on est loin des champs encore. Hein. Ouais. Bah, nous, on était sur les champs ce matin, ils nous ont fouillé trois fois. Vous étiez sur les champs ce matin? Oui, escortés en dehors des champs. Ils veulent rien. Ils veulent personne sur les champs. Non. Ouais, bah ouais, mais bon, sauf que, voilà... Mais c'est pas sur les champs qu'il faut aller. C'est 55, faut aller au Faubourg Saint-Honoré. Oui, mais ils ont peur que de là, on y sera. Oui, voilà, c'est certain. Ça commence bien, hein. Bah, ça commence bien, ouais, c'est clair. Salut, toi. Ouais, super. Je vais couper l'œil et je vais les appeler. Qui c'est qui fait un air, bah, ton œil? Les Vlas. Ah, tu les appelles? Non. Enfin, on avance, mais là-bas, ça va vers quoi, en fait? Mais c'est un trou, là-bas. Parce que l'objectif, là, c'est quoi, en gros? Faut qu'on rejoigne à part l'idéal. Cortège. Il y en a cinq. Il y a cinq cortèges? Il y en a six en tout. Faut les rejoindre. Ok, bah, il y en avait un qui partait de là. Ouais, on a vu. Place d'Italie. Ils ont l'air pas mal. Place d'Italie, je pense que c'est le bon endroit. Bah, on a souvent parlé de Place d'Italie. Putain, ça nous coupe. Ça, et putain, ça charge par là. Bah, ils vont pas... C'est gratuit. C'est complètement gratuit, mais on peut pas les raisonner, ils ont des ordres et c'est des ch... C'est méga féroce, c'est super féroce. Il se passe rien, il n'y a pas un pavé de jeté, rien. Faut pas rester non plus, mais faut pas courir. Voilà. Non, ils sont comme nous, on n'a pas à courir. Putain, mais c'est un truc de malade. Ah ouais, mais putain, vache. On est juste chassés, quoi.
Oh putain. On les traitait comme des chiens, c'est un truc de malade. Le son bug de l'image et faites recharger la page. Recharger la page, ça devrait refaire. Il y a eu juste un bug. Ils sont un peu plus de 300 connectés là. Quoi ? Ouais, je suis pas tout seul au bout de ma main. L'écran est noir, donc du coup rechargez la page et vous allez avoir l'image de retour normalement. Si c'est pas le cas, dites-moi, mais je ne saurais que faire. F5 est rien, c'est le noir. C'est bizarre. Oh putain! Ah les enculés, mon oreille gauche a pété là. Attends. Attends, bougez pas, je reviens, restez sur le live là. C'est bon, ça fonctionne ou pas? Ah. Désolé pour le bug. Donc là, vous avez loupé le petit moment où tout le monde scandait révolution. On est un groupe de, je sais pas, je dirais centaines de personnes. Une centaine, 200. Ça part en sauvage. On est quoi? Ouais, allez, 150, 100. Vraiment, ouais, c'est... ouais, c'est vraiment fou. Donc ils peuvent pas être partout, tu vois. Ils ont assaisonné les rues de Paris. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. Gilets jaunes, quel est votre métier? À où, à où, à où? Ça fait du bien. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Paris, debout, soulève-toi. 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 Bon, du coup, c'est quoi le plan? À chaque carrefour, c'est compliqué. On va où? Là-bas, ça va où? Avec plaisir. Mais oui, ils nous ont gazé derrière là-bas. Bah c'est ça qui est compliqué à savoir quoi. Faudrait quelqu'un qui connaisse bien Paris là.
Mais c'est quoi l'objectif? On voudrait aller où en fait? On voudrait aller où? On voudrait aller à Port d'Italie, il y a du monde. Ah ben, on peut essayer de regrouper. Port d'Italie, c'est par là. Pierre, Port d'Italie, c'est par là. Port d'Italie, c'est plus par là-bas. Bah ouais, là, là. Là, il y a par là, il y a la place Clichy. Non, mais ce qu'elle disait, c'est que normalement, à 9h30, c'est partir de Champéret. Et alors, dans ce cas-là. Mais Champéret, on abandonne, c'est foutu. Ils vont disperser. Bah oui, mais si dès qu'on voit machin, on disperse. Il faut aller à Italie. Ouais. Il faut aller à Port d'Italie. Ouais. Personne n'a un smartphone avec un GPS dessus. Bah ouais, bah tu tapes place d'Italie, tu regardes la direction et on y va. C'est plutôt par là, je pense. Mais t'inquiète, on va marcher toute la journée jusqu'à demain. Y'a pas de problème. C'est là ? C'est par où ? Tu peux pas être. Mets voir GPS et tu regardes par où ? Nous on est là, faut aller là. Et c'est... Rassemblement maintenant ! On est là ? C'est quoi ça ? Là, faudrait continuer par là. Tu peux, Pierre ? Il est où ? Ah bah j'ai perdu Pierre. Ah t'es là. T'as le numéro de Manon ou pas ? Eh ben appelle-la pour lui dire d'arrêter de m'appeler. Parce que sinon ça fait que de couper le live en fait. Mais je comprends pas le délire en fait, on fait quoi ? J'avais les papiers sur moi, tu voyais pas. Tu voyais pas. Désolé si je lis pas tous vos commentaires, on le fera tout à l'heure je pense. C'est quoi le plan? Bah, ils ont réussi leur coup, ils nous ont divisé, mais on va se retrouver. Ouais, c'est à 2 heures de marche en fait, place d'Italie, mais on va devoir y aller à un moment donné. C'était dans le plan, mais on verra. Bah, on retourne à Champéret apparemment. Bon. Place d'Italie, il y a des keufs qui dispersent des gens déjà. Ils dispersent partout. Non, là je. Police aussi. Et nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Ah, ils sont où? Ah, ils sont là. C'est quoi là? Bonjour madame! La grand-mère qui nous soutient. On va avancer un peu par le devant quand même, qu'on soit pas à la traîne. Faut pas être ni trop devant ni trop derrière. On sait jamais ce qui arrive. Mais là, je comprends pas le plan là. À chaque carrefour, c'est le même délire. Ouais, mais je dis juste qu'on passe en masque. D'accord, pas scandale. Dans une petite rue, on peut se faire niquer aussi. Mais ensemble, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Tu n'as pas les couilles. On repart, les gars. On repart sur Champéret, c'est ça? Sur le barrage de CRS. Mais je suis passé par là, je viens de venir. Aussi, je viens de l'offrir. Mais non, c'est plus passé. Ouais, mais c'est une petite rue. Ok. Me perdez pas de vue, hein. Me perdez pas de vue. Des fois, je suis comme ça, dans la tête au vent. On va prendre ça, merci. Tiens, on vient de recevoir la... Voilà, hop, ça s'appelle la Legal Team, donc c'est des gens qui se sont organisés pour défendre les éventuelles personnes qui se feraient arrêter et passer en garde à vue, ce qui a été presque mon cas hier, je vous raconterai.
Oui, bonjour à tous, merci d'être sur le live, alors n'hésitez pas à le partager. Quoi, c'est quoi cette tête? Donc là on retourne sur Perret et à nos amis déjà flics qui sont donc on est venu par là déjà, c'est dans cette rue? Je me souviens pas de ce petit resto la mignon là. On est à la rue à côté, ok d'accord. Bon, on revient sur la place. Il y a la BAC hein, qui est là forcément. Et des gaz déjà. Oh, faut juste les éviter parce que sinon c'est la merde. Là t'as un joli policier qui filme les gens, regarde là. Ah oh, non c'est la presse, autant pour moi. Ah oh, les yeux, putain. Attention, grenade! Putain de connard. Ils balancent à l'aveugle. T'as vu, ils visent même pas, il sait pas où il tire ce con. Et voilà, donc là, nous on a réussi à passer avec le petit groupe qui est là, je suis même à la queue du petit groupe, je suis presque tout seul là. Et bah tous les gens derrière sont bloqués par ce gaz, donc quelques instants, mais ils vont revenir j'imagine. T'as les street medics qui sont là. Bon, faut pas que je reste seul, non plus d'ailleurs, viens. Mais c'est une bonne stratégie quand même d'être partout en même temps. Les flics peuvent pas être partout en même temps. Ça me rappelle début décembre à Rivoli. Oh putain, ils nous tirent là. Mais il y avait quoi comme danger là, les gars? Il y avait quoi comme danger là? Pacifique là, il y a rien là. Dégagez quoi? On est sur l'espace public. Elle est attestée la manif, elle est déclarée non? Elle est déclarée la manif. Vous êtes les forces de l'ordre, pas du désordre? Elle est déclarée la manif. Elle est déclarée cette manifestation. C'est par là-bas? Par là? Elle est déclarée la manif. Par là ou par là-bas? Dans le gaz! Dans le gaz! On fait le tour! Dans le gaz, monsieur! Dans le gaz! On passe! Eh ben, n'envoyez pas de gaz, quoi, si vous voulez qu'on passe! On vous demande de semer le désordre, putain! Désobéissez ou alors assumez! Si, si, il y a des gens là-bas qui doivent nous rejoindre! Non, ils se font défoncer la gueule! Il y a des gens là-bas qui doivent nous rejoindre et c'est déclaré cette manifestation. Je vais devoir mettre la batterie parce que j'ai presque plus de batterie. Et ce putain de câble ne tient pas. Alors attends, je vais essayer de brancher mon téléphone. Et oui, il fragmente et après il nous dit allez-y, allez-y. Non mais c'est quand même dingue. Ah attends, il faut que je... C'est où la place? Mais c'est derrière nous. Faut qu'on prenne le métro, ok super, mais là-bas ça gaz à mort. Est-ce que d'autres gens voient d'autres lives sur Place d'Italie? Parce que moi je peux rien voir, enfin, soit je vous donne de l'info, soit j'en prends. Je peux pas faire les deux. Ici on peut rien faire, on est complètement... Bah on est revenu Place Champéret là. Alors attendez, hein, ça va ça gaz à Italie apparemment. Bon bah comme partout dans Paris je crois. Alors attendez, je vais faire un peu... L'image va un peu bugger mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à tenir juste le truc là? Tac, merci. Je vais brancher ce putain de téléphone. Voilà.
ça marche pas l'élastique. Non, il n'y a plus de batterie, c'est chiant. L'élastique, si, faut que je mette l'élastique parce que le câble tient pas. Oui, je gagne pas assez d'argent encore pour pouvoir avoir du matos de qualité. Alors, ah, c'est pas un élastique ça, je l'avais foutu où cet élastique? Putain, je l'ai foutu où cet élastique? Fais gaffe, ouais, allez là-bas, regarde les chars. Oh putain, il y en a là-bas, effectivement, regarde. Ils arrivent à fond là-bas. En fait, ils nous disent d'aller sur la place pour nous nasser. Non, mais c'est quand même fou. Où est cet élastique? Attends. Bah, je l'avais tout à l'heure en main, mais fais chier. L'élastique, t'as pris l'autre ou pas? Et puis, voilà, et ils tirent dans nos mains. Ils nous demandent de nous rassembler pour nous gazer. C'est un truc de fou. Ça, ils l'ont toujours fait. Hein. Non mais je sais bien, mais là c'est vraiment dingue quoi. On est hyper loin d'être le pouvoir, tu vois, on est... C'est les gens dans la rue, après ils les ont cassés en disant vous avez pas le droit d'être là. Oui, oui, bah c'est ce qu'on vient de vivre nous là, à l'instant. Ah. Voilà. Et après ils vont dire ah vous avez pas le droit d'être là, et puis ils nous regazent comme ça. Putain de malade. Bon bah il y aura plus de live dans quelques instants je crois, à cause de cette putain de batterie pourrie. Donc on va faire ça comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens, vraiment, et dispersés dans tout Paris. Il faut que je branche le câble, ça me gave. Ça bug, c'est normal. On est... Alors non. Alors Manon, dès qu'on se pose deux secondes, et il gaz de nouveau, voilà, c'est que ça, c'est un truc de malade. Les ordres sont juste fous. Et on rappelle que la manifestation est déclarée. Merci à toi aussi. Que la manifestation est déclarée et que Massa et qui nous mentent, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Allez par là, vous pouvez aller par là et après une fois qu'on y est, et ben on est gazé, on est matraqué. Et là les barricades commencent à être faites. À un moment donné, bah oui, ça pousse les gens à ça et je crois que c'est nécessaire. Bon bah les gars, moi je vous laisse. La batterie va bientôt s'arrêter. Donc ce que je voulais faire moi c'est que comme les trois quarts du temps je ne filme pas la manif mais j'y participe. Donc du coup voilà je vais y participer. Allez je mets mes gants et à plus tard on se retrouve quand j'aurai de la batterie. Bisous. Et sortez de chez vous.